Lors de la dernière séance, nous avons vu que la France a été libérée. Intéressons-nous maintenant à la fin de la guerre dans le reste du monde. Alors, l'Allemagne ne cesse de reculer, que ce soit à l'ouest face aux Alliés ou à l'est face aux Russes. En avril 1945, les Russes entrent dans Berlin. Alors, Hitler a voulu résister jusqu'au bout, mais néanmoins, en avril 1945, avec l'arrivée des Russes sur son territoire, il renonce et plutôt que d'affronter la défaite, eh bien, il décide de se suicider. Le 8 mai 1945, c'est-à-dire quelques jours plus tard, toute résistance allemande cesse. Les nazis sont vaincus. C'est d'ailleurs en mémoire de ce jour que le 8 mai est un jour férié en France. Par contre, la guerre continue toujours dans le Pacifique. Les Japonais ne renoncent pas, et notamment grâce à leurs kamikazes, dont on peut voir une photographie ici. Alors, un kamikaze, c'est un pilote d'avion qui va, pour nuire à l'ennemi, écraser son avion sur une cible de l'ennemi. Bien sûr, ils savent parfaitement en faisant ça qu'ils vont sacrifier leur vie. Mais ils le font pour leur pays. Donc la guerre n'aboutit pas. Les Américains n'arrivent pas à battre les Japonais dans le Pacifique et la guerre s'éternise. Les Américains vont alors décider d'avoir recours à une solution radicale. Ils vont envoyer, lâcher deux bombes atomiques, deux bombes nucléaires sur le Japon pour mettre fin à la guerre. Alors, il y en aura une sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Cette bombe a été lâchée par l'avion je vous présente sur la photo, l'Enola Gay, et une deuxième bombe le 9 août 1945 sur la ville de Nagasaki. Alors, ces bombes-là vont avoir un effet terrible sur l'opinion mondiale internationale, hein, puisque des militaires vont être touchés, mais également énormément de civils. Donc, comme j'ai noté sur l'écran, 118 660 personnes tuées, 79 130 personnes blessées, ce qui est énorme. Alors, suite à cela, le Japon va capitulé le 2 septembre 1945. Et la guerre sera alors terminée dans le monde entier. Et nous verrons la prochaine fois les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer sur ce sujet.